Salut, c'est Charlie Mars. Alors en ce moment, le Japon est à l'honneur sur Canal et ça tombe bien car je voulais vous parler d'Aifana. C'est un duo qui vient de Tokyo. Ce sont des performeurs qui utilisent live, sampleurs, synthé, etc. et le tout sans programmation. Leur projet 24 heures se décline également en album, en site web, en DVD, en performance live. Bref, c'est une œuvre multimédia par excellence. Alors, sayonara, love the links. Je suis Keizo Machine de Ifana. Je suis Juicy. On fait de la musique de club, mais en live. On n'utilise pas des séquences préprogrammées, mais on joue la musique en direct à partir de samples, en tapant sur des pads. L'internet, c'est très important pour nous, car même si on ne sort pas de CD, ça nous permet de communiquer et de partager ce qu'on fait. Notre label met beaucoup d'importance dans l'aspect physique. C'est un environnement privilégié pour créer. C'est grâce à cette collaboration que l'image prend autant d'importance. La vidéo qui a été le plus vue sur YouTube, c'est une collaboration avec Nike pour les chaussures. On appelle Nike Free. Il y a eu 800 000 vues. Ifana et notre staff qui est derrière, nous organisons des soirées qui s'appellent Samurai, où on invite des artistes japonais qu'on trouve intéressants et frais. Par exemple, si on trouve un rappeur vraiment bien et qu'on pense être le meilleur du Japon, eh bien il devient le samouraï du rap. C'est pour ça qu'on appelle cette fête Samurai. Donc on se rassemble avec tous ces gens qu'on trouve super et qu'on s'habille en costume traditionnel. On va à un endroit où on peut trouver des décors du Japon ancien et on se filme ensemble pour faire des vidéos. L'œil de Link se referme, mais continuez à contribuer sur notre blog, Facebook ou Twitter. Et avant de nous quitter, explorons les liens de nos invités. Le site qu'on recommande s'appelle Cookpad. Imaginez que vous n'ayez qu'une carotte, une tranche de viande de porc et des choux dans votre frigo. Vous vous connectez à ce site et vous tapez carotte, tranche de viande de porc et choux.
et là il nous sort la meilleure recette de cuisine. Ça nous permet de créer des musiques encore plus funky. I'm a big fan of Good Magazine, which is really just an incredible consortium of different sort of media projects. But Good Magazine, that's something I'm always checking and interested in what they have to say. I follow different art blogs such as Vogue.com and also Contemporary Art Daily. Then there is David O'Reilly's blog. It's really interesting. He has a lot of really, really, really nice thoughts on animation and the work ethics and aesthetics.